En avez-vous connu de ces gens détestables qui font preuve partout de fausse érudition? Ils savent tout sur tout, au salon comme à table, ils ont réponse à tout, ceux-mêmes sans question. Pour qui revient d'Égypte, ils sont experts en sable. À qui vient de Russie, génie du samovar? Au pauvre pec de lièvre, ils courent sur le rable. Les gens qui savent peu, mais qui croient tout savoir. Les gens qui savent peu, mais qui croient tout savoir. Ils ont lu tous les livres, savent de quoi ils parlent, parce qu'ils associent une œuvre à son auteur. Mais sur le contenu, leur science est misérable. Avoir lu la jaquette suffit à leur bonheur. Cela leur est assez pour faire la causette au milieu des présents qu'ils tiennent pour nullard. Un culte bien plus qu'eux, d'esprit pauvre mazette, les gens qui savent peu mais qui croient tout savoir. Les gens qui savent peu mais qui croient tout savoir. La moindre information, le moindre écho-pipole glané par pur hasard au gré de TF1 justifie leur aplomb. La chaîne étant la seule à nourrir la culture de leur quotidien. Et petit à petit, les voilà qui racontent, en les dénaturant, les infos données par notre érudit Pernaud, qui s'adresse à ses contes, les gens qui savent peu, mais qui croient tout savoir. Les gens qui savent peu, mais qui croient tout savoir. Pour eux, en Amérique, et la Sierra Leone, c'est Jean-Pierre Papin qui file l'autocuiseur, et tout comme certains, ils n'ont qu'un seul neurone et répètent des mots sans citer leur auteur. Dans les débats sérieux, ils préfèrent se taire, mais qu'il est dur pour eux de faire le canard. Leur silence exquis, hélas, ne dure guère. Les gens qui savent peu, mais qui croient tout savoir. Les gens qui savent peu mais qui croient tout savoir. Il faut dire, il est vrai, et c'est à l'heure des charges que ce travers humain est partout répandu, que des tristes fâcheux l'éventail est bien large de tout ce qui parle de cordes à un pendu. La seule solution qui peut sauver la France passe par les écoles et par les isoloirs. En votant autrement, c'est à la convenance des gens qui depuis peu ont payé pour savoir. Des gens qui depuis peu ont payé pour savoir.